Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. En retrait pour repartir proprement. Avec Simeone. Pour trouver la faille dans la défense. Il était bien présent. Ce match oppose deux équipes invaincues, ce qui n'est pas rarissime à la troisième journée. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Un centre au cordeau. Rakitic. De Bruyne. Oh, il a bien vu son coéquipier. Il joue dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Le bon dribble. Il y a danger. Le soutien derrière lui. Il glisse le ballon en profondeur. Et bon centre. Allez, de la tête ! Le but de la Fiorentina ! L'ouverture du score pour la Fiorentina ! Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça le foot. C'est bien joué ça ! Super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Simeone qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il allonge vers l'avant. Parme qui essaye de construire. La Fiorentina qui réalise un très bon début de match. C'est quand même un début de match de rêve. Gervinho qui est bien placé. Kuka. Oh, voici Gervinho. Il peut tirer. Il peut frapper. Gervinho en retrait. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça revient dans l'axe. Et c'est intercepté. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. C'est joué long, c'est dangereux. Rakitic. Et ils essaient de repartir de derrière. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. Ce ballon bien dosé. Ça passe dans l'axe. Il peut y aller. Oh dommage, c'était une bonne passe. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Non, ça manque d'application. Attention, la frappe! Oh, c'est un arrêt important, ça! C'est un super arrêt! Fine save! Thank you.
le gardien s'en saisit, tranquille. Hermann Petzela. C'est écarté, bien fait. Gobi qui récupère ce ballon pour trouver la faille dans la défense. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a peut-être un coup à jouer. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il est lancé sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Le drapeau ne s'est pas levé. Super timing à la limite du hors-jeu. Hermann Petzela qui a un peu d'espace. Rakitic. Cazorla. Miralas. Oh, un bon centre devant le but. Il décide d'allonger le jeu. L'ouverture lumineuse. Rigoni. La Fiorentina mène toujours au score. Il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Rigoni. C'est joué long, attention. Il prend sa chance. Bien repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. C'est joué court à deux. Il vise le second poteau. Le bon jaillissement. Rakitic. S'il le trouve, bon, c'est bien joué. La frappe. Repoussé par le poteau. C'était bien joué. Dommage. C'est la qualité de la passe qui fait tout. Elle était exceptionnelle. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, si ça passe! Quelle fait du bien cette interception. Le gardien loin devant. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. La Fiorentina, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Meunier. La Fiorentina qui cherche l'étincelle. De Bruyne. La Fiorentina qui espère sans doute être un peu plus solide défensivement qu'au dernier match où les deux buts encaissés. Quelle occasion, attention! Et le cadre se dérobe largement. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi.
C'était un joli tac quand même. Faute, c'est indiscutable. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. Par la barre transversale. Bien tenté, ça ne passe pas loin. On le sent en pleine confiance, il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. Mendy, Rakitic, De Bruyne. La passe dans la profondeur. Il peut frapper. C'est repoussé. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Mendy. Rakitic. La passe en retrait vers son défenseur. Meunier, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. La Fiorentina, qui mène toujours 1-0. Il cherche son coéquipier. Voilà une bonne occasion de contre. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien ce qu'il fait là. Dans la surface. Ce ballon, le coup de tête. Non, il est signalé hors jeu. Pas facile à juger quand même. Ça joue à gauche. La Fiorentina, qui a régulièrement inscrit au moins un but juste après l'heure de jeu, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. De Bruyne. Ça passera sur le côté. Ça va sur l'aile. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est envoyé dans la... Et cette tête. Oh, il marque. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça, un peu de tiki-taka et hop, c'est dans la boîte, bravo! Le break est fait, on est reparti. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. La Fiorentina, qui soigne ses statistiques, cette équipe marque très souvent entre la 60e et la 75e minute. Kuka. Pour trouver la faille dans la défense. Ça sent la frappe. Tac. Et il est averti pour simulation. C'est un petit malin et pensait tromper l'arbitre. Il était bien placé. Mendy qui a de la liberté. Rakitic. De Bruyne. Il joue dans l'espace. Il est passé. Allez jusqu'au bout. Oh là, c'est un peu resté dans la chaussure. Ça peut partir en contre. Kuka. Il glisse le ballon en profondeur. Centre à rate. Il tire. Encore, il peut frapper. Et c'est un but. Quelle erreur. Et derrière, c'est la punition immédiate. C'est vrai que ce genre de bourde peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer.
Gervinho qui inscrit là son premier but de la saison. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser la tendance. Germán Pezzella. Mendy. Rakitic. De Bruyne. Rakitic. Piaka. De Bruyne. En retrait pour repartir proprement. Germán Pezzella qui a de l'espace. C'est joué long, attention. C'est parfait, magnifique. La passe dans la profondeur. Et le centre. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. De Bruyne. Mendy. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. La bonne passe. Parme risque d'avoir des regrets, là. Il joue en retrait. Un ballon intéressant. Il a du champ sur le côté. C'est bien donné. Il relance côté droit. Sans... Oh, le coup de tête! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Mendy. Belle passe lobée. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Au tour du gardien de jouer. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout. Et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. Grégoire, c'est moi qui vous remercie. The money and hope that they get on the blocks. Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke, I ain't even rich. It's not about the money, but really how you think. Really gotta get homie, time don't wait. These gave it to your hands, do what it takes. Do what it's all you, it's all you. At the end of the day, it's all you. Said it once before, you bounced back before. Young kid with the juice, how about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now. We acting wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the sea just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep.
little self-doubt can make you think twice. Giving my all to this, some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love that I crave. True, yeah, nothing but love that I crave. True, that's your lie. I've been wondering what my purpose is at night. As I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. Ask for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting high, we acting wild.